Microlino qui surfe encore sur les microcars. La Spiaggiadina. Waouh! Qu'est-ce que c'est? C'est le même modèle que l'autre en fait, à deux, trois trucs près. Grâce à ses flancs ouverts et son arrière, la Spiaggiadina promet à ses futurs utilisateurs de pouvoir profiter de la brise fraîche tout en conduisant. À quel prix? Le modèle dispose d'un toit en tissu rayé qui peut s'enrouler ou être totalement retiré en quelques étapes simples. Une petite voiture de plage rétro qui pourrait également convenir aux hôtels, aux grands magasins et au golf, selon la marque. L'autonomie est de 177 km. La recharge se fait en courant alternatif. Il faut compter 4 heures pour une charge complète. Une première édition limitée du modèle sera disponible dans deux couleurs exclusives. Au prix prohibitif de 25 000 euros. Bord de rire. Non mais enfin. C'est hors sol. Qui va acheter ça? 25 000 euros. Enfin, je vous pose la question. Est-ce que vous seriez prêt à mettre 25 000 euros là-dedans, en fait? Si, ceux qui savent pas quoi faire de leur pognon, hein, de toute façon, les millionnaires qui veulent se taper un délire et prendre une dixième voiture et rouler dans ça, quoi. Je vois pas. Enfin, quelqu'un de sensé qui a peu de moyens, on va dire, ou des moyens normaux, entre guillemets. Il va pas acheter ça. Enfin, faut être réaliste. Allez, ciao.